Pourquoi se faire une potion de respiration sous l'eau quand on a une torche? Peut-être pour éviter ce genre de situation. Bon. Allez, on va remonter. Avant de remourir de façon idiote. Oula! Messieurs, bonjour! Messieurs, au revoir! Bon. Ok. Donc on a la smelte. On a ça. Hop. On a ça. On a ça. Et il nous manquera. Il nous manquera 2-3 trucs. Bon, on a que 2 copper, mais il me les faut. Donc. Pareil, je vais commencer à manquer de bouffe. Il va falloir qu'on réfléchisse aussi à la bouffe, comment faire pour s'en sortir le mieux possible. Ok, on peut avoir notre planteur. Ouais. Oh, attendez une minute. Cool. Oh cool. Je peux monter aux arbres, résultat. Oh bah ça c'est chouette ça. J'ai même plus besoin de sauter. Ouais, mais là, par contre, je pourrais pas rentrer dans mon camp. Mais ouais. Non, franchement, c'est cool. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ici pour le plastic sheet éventuellement? Non. Non, j'ai pas ce qu'il me faut. Allez, hop. Bon, on va se refaire cuire un peu de route. Mais non, mais je pense à l'araignée, c'est pour aller monter en haut des arbres et... Oh oui. Explique-moi, t'étais dans un liquide, comment t'as fait pour faire sauter la map toi?
Vous êtes combien les mecs? 60 en chapeau, je l'ai déjà vu toi. Putain, il a appelé des renforts le mec. Toi je te veux. Attends, Flippo. La flèche. La bouffe, la bouffe, la bouffe, la bouffe, la bouffe. Bon. Question, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Non, il va me manquer du sable. Passe-moi du sable. Qu'est-ce que je pourrais te mettre en carburant toi? Ouais, question que je me posais, ça. Non, ça marche pas, ça. Non, bon. Bon, j'ai du sable. Tout ce qui manque, c'est du gravier. Est-ce que tu as du gravier? Non, pas de gravier. Bon. Je dois en avoir dans la base. Normalement. On est parti, on est parti. Allez, hop. Voilà. Quand on cherche du gravier, il y en a toujours. Donc ça, c'est pour me faire du route. Hein. On est d'accord. Enfin, le flint qui m'intéresse pas, mais bon. Avec la pelle, ça va plus vite. Allez, hop, ça ira comme ça. Donc craie, sable et là je viens de récupérer ce qu'il me faut. Donc on a hop, hop et hop. On a du Groot. Du Groot qu'on va faire cuire. Ça, on va vider un petit peu le merdier là parce que la smelterie je vais peut-être me la faire quand même, enfin commencer à me la faire, enfin il va me falloir encore des shire red, mais ça va rapidement pouvoir se faire. Il manque encore la table également, et après ce sera les briques. Faut que je compte exactement combien il m'en faut. Ouais, quoi, grand-moise un petit peu. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse cuire? Tu as dit qu'il y avait encore un truc qu'il fallait que je fasse cuire. J'ai pas du rubber. Non, j'ai
du rubber à l'état pur, donc rubber bar. Quoique les rubber bars aussi, je peux m'en servir pour autre chose. Alors, ça. Il me semble qu'il me faut de ça et de ça. J'ai un doute, mais... planteur. Ah ouais, oui, exact. Exact. Dès que t'as fini, tu me dis... Voilà, comme ça, il va me falloir les trois briques pour le pot. Et on aura au moins déjà le planteur. Je suis en train de réfléchir, le planteur il va falloir alimenter en énergie. Faut que je regarde à l'énergie de. À l'énergie qu'il faut pour ça. C'est Minecraft. Enfin, c'est. Mine Factory Reloaded. Mine Factory. L'énergie qu'il faut pour Mine Factory. Il faut bien de l'énergie pour Mine Factory. Si je dis pas de bêtises, ce sont des trucs maintenant qui sont en RF. Il y a des chunk loaders dans Mine Factory Reloaded, tiens. Ah, c'est bon à savoir. Liquid Crafter, non. Ah, je trouve pas d'énergie. Non, bah je vois pas. Mais je sais pas qu'est-ce qui utilise les RF. RF, non. On peut certainement pas s'en servir avec l'énergie de Bullcraft, hein. Ça c'est clair et net à mon avis, non. Ah, c'est pas avec les... c'est pas avec Thermal Expansion que ça marche. Ah, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est avec Thermal Expansion que ça marche. Je suis pas sûr. Et comment ça s'appelle? Voilà, énergie conduite. Ce sont ces énergies là, je crois qu'il faut utiliser de Thermal Expansion. Et ça marche avec Mine Factory Reloaded. Il me semble. Lead, redonner d'énergie, redstone. Il me semble que c'est lead conduite qui sont pas très très chers. Et ça peut se faire avec de la glace. Est-ce que ça peut se faire? Oui, ça peut se faire avec de la glace normale. C'est de la redstone et du lead. Ça coûte pas bien cher. Ça coûte pas bien cher, donc il me semble que c'est ça. Et pour l'alimenter, je crois que ce sont des dynamos qu'il faut. Et on peut faire des dynamos. Il me semble qu'on a c'est pas la Steam Dynamo aussi. Magnétique, compression dynamo.
Il me semble que c'est la Steam Dynamo. Par contre, il va falloir pas mal de copper. Il me semble que c'est la Steam Dynamo qui permet de. Ok, donc il va falloir encore gérer cette énergie-là. Il me semble que ça marche comme ça. Il me semble que ça marche comme ça. Je suis absolument pas sûr, mais il me semble. Donc il va me falloir de l'énergie. Ah oui, tiens, d'ailleurs, à ce propos. Est-ce qu'on pourrait pas simplement. Je suis en train de réfléchir à ça. Mais parce que je sais que j'ai de la lave hein, un petit peu partout. Lave, lave. Donc qui dit lave dit. Je fais n'importe quoi. Je fais absolument n'importe quoi. Bon. Ouais, bah toi. Hop. Voilà. Hop. Pas déconner peut-être. 4 pour le moment, ça ira. Allez. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est au bout de celle-là. Normalement à la fin j'ai essayé de faire un petit escalier, un truc dans le genre. Ouais, il y a un slime dans le secteur, mais bon. Bon, vous voyez que j'ai creusé quand même pas mal, hein. Ok. Et là, on a de la lave. Voilà, 4 sauts de lave. Et simplement, si je les mets dans... C'est beaucoup plus efficace que. Ouais, si on pouvait avoir un système d'énergie qui fonctionne entièrement à la lave, avec une pompe dans le nether, ouais, ça peut le faire, hein. Un petit peu comme a fait au départ un petit peu Shorty dans la saison 2 de Fils de Patrick. Il y a moyen de faire ça. Hypier avait aussi l'idée sur Fils de Patrick 2 de se baser entièrement sur de l'énergie à base de lave. J'ai dû passer. Non. Non. Si, j'ai passé. Si, je suis sûr de l'avoir passé. Ok. Avant ça, je crois, c'est là. Ok, oui, donc on remonte. Il fait nuit, mais on s'en fiche.
Voilà, si je pouvais mettre des seaux de lave dans les trucs qui alimentent le... c'est pas vrai ça. Ok. Oui, ça marche, ça marche. Je peux même récupérer les seaux. Ce qui est absolument génial. Et là, donc, je vais pouvoir produire... pouvoir produire pas mal. 38, 32, 20... Oh, j'y crois pas, c'est même en train... Ça a même pas le temps de se décharger complètement. Ça marche presque en permanence. Ah non, ça s'est arrêté là. Ouais, avec 2-3 moteurs de plus, je suis sûr que ça pourrait marcher en permanence, mais c'est plus consommateur. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Est-ce qu'on tente le Nether? C'est peut-être un peu tôt pour le Nether. Hein. Je comptais attaquer d'autres modes avant de s'attaquer au Nether. Je pensais notamment aller dans le Nether avec une Power Suite, quand même. C'est le strict minimum pour commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort faire un aller-retour? Est-ce que je coupe pour faire un aller-retour? Ou est-ce qu'on fait autre chose? J'ai le temps peut-être de voir. Oui. Si, ça me revient maintenant. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Impôt. Et normalement. Si je dis pas de bêtises. Non, il me manque encore le Tesla Coil. Enfin, pas le Tesla Coil, mais le... L'or est là. De la redstone, il va me manquer. Alors, hop. De toute façon, il va m'en falloir deux. Parce que pour le harvester, il va m'en falloir également un. Et là... Non, il manque toujours le plastic sheet. Plastic sheet. On a récupéré la moitié, ok. Bon, là, ça devrait être bon. C'est bon. On a le planteur. On a le planteur. On va essayer de l'alimenter avec la dynamo. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la dynamo? Il nous faut du copper. Il nous faut beaucoup de copper. Et il me faut un redstone machin coil. Redstone transmission coil. Bon, donc ça. De toute façon, on n'a pas le copper, on a juste la redstone et de quoi se faire le fameux. Donc ça se fait avec. Ça se fait avec du silver, hein, c'est ça? Silver. J'en ai du silver, c'est pas un souci. Là. Donc silver, on va se mettre à côté pour ça. Est-ce que j'ai encore du gravier? Tiens. J'ai encore du gravier. Donc le groot, on va encore s'en refaire encore un peu. Je fais plusieurs choses en même temps, hein, donc évidemment... seulement, bon ben ce sera pas assez, je veux bien d'en faire recuire. Ensuite, donc je disais le transmission coil,
comme ceci. Comme ça, on va pouvoir faire notre Steam Dynamo dès que possible. Hop, le transmission coil. Et il va nous falloir le copper. Pour du copper, il me semble que j'en ai encore. Il va me falloir... j'ai plus mes wooden gear. Bah, elles sont passées où mes wooden gear? Ah, non, ce sont des stone gears. Bah non, je les vois pas. Là, j'ai une iron gear, mais... bon, enfin bref, copper. Copper gear, il faut des stone gear pour ça. Stone gear, je dois en avoir une au moins. Ouais, j'en ai une. Donc ça, c'est pas un problème. Je sais qu'avec des stone gear et du copper autour, je pourrais avoir des copper gear. Il m'en faut deux et il me faut trois lingots de copper. J'espère que le... petite coupure le temps que j'aille rechercher des seaux de lave. Et puis je vous reprends. Ok, donc je suis en train de remonter. Miracle, il fait jour. J'ai mes 4 seaux sur moi. Tiens, c'est bizarre. J'ai mon team-up qui m'indique que Fraps n'est plus utilisé de manière active alors que je suis en train de record. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas comme si j'étais en train de m'en servir. Enfin, bref. Et bah, il était en train de continuer à s'en servir. Donc on va quand même lui laisser les sauts temporairement. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, 19 stacks de cobble. Bon, bah ça se remplit un peu, ça se remplit un peu. J'en ferai pas un deuxième simultanément. Hein, enfin, si j'avais les ressources pour, je le ferais. Mais bon, ça coûte assez cher, hein, la query. Même si c'est la première chose que j'ai faite. Mais bon. Sinon, on a encore du copper, là. On a dû tomber sur un petit filon de copper. Je me ferais bien quand même un autre stirling. Stirling, stone gear, glace. Il est pas cher à faire, hein, ce moteur. Franchement, il est vraiment pas cher à faire. Ça, c'est assez simple. Du bois. Hey, ça tombe bien. Par contre, juste un truc. Il va vraiment falloir que je reparte à la chasse. Allez, on va repartir chasser un petit peu. Parce que le bois c'est bien tout ça, mais moi il faut que je me nourrisse. Voilà. Bonjour. Chose qu'il y aurait à prendre ici, mais bon. Les moutons, ça pourrait être intéressant, mais bon, voilà quoi. Bon, F7, ça devient chiant là. Je vais désactiver. Oula ! Ah oui !
Alors oui, je sais que j'ai ces totems d'obsidienne là, je sais pas du tout à quoi ils servent, mais... Ah, génial, DB. Oh non, du poison. Et elle sort d'où, elle? Là, ça c'est un spawner à... J'essaie de récupérer ça le plus vite possible. La vache elle est où là? Ouais, ok, j'ai un cochon ici. Ok, comme ça je pourrais me transformer en cochon, pourquoi pas. Bon ça va, ces petites araignées là, elles piquent pas tant que ça. Ça c'est pas très important. Ah, des vaches. Oh non 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 non. Eh oh. Ok, là on a un marais. Avec des cochons qui vont mourir. Que j'en ai décidé ainsi. Allez. Il me semble que j'en ai entendu un autre. Ouais, il y en a un autre. Il est où? Tu n'en réchapperas pas. N'essaye pas de te cacher. Sauf si t'es sur l'arbre. Ah, il est là. T'aurais mieux fait de te planquer sur l'arbre. Hé, hey, oh, reviens là. Oh, cette dissidence. Bon, Est-ce que vous croyez que ce sont des... Oh, là-bas, là-bas, je t'ai vu. Je vous ai vu. Ouais, vous êtes deux. Ouais. Oh, ça peut se faire. Et une vache à droite. Allez. L'autre met un coup de cul. Voilà, merci pour les os. J'ai vu un truc qui m'intéressait aussi là-bas. Sauf que j'ai plus de quoi... De quoi me battre. Ça part vite les épées en fer, mine de rien. J'ai l'impression que ça part plus vite qu'en version non modée. Voilà, merci. Je m'appelle sur moi. Même pas, putain, j'ai rien pour cogner quoi. Bon, dommage. Je me serais bien fait quelques vaches à coups de pelle. Enfin bon. Et là, vous vous imaginez des choses. Vous vous imaginez en train de cogner des vaches à coups de pelle. Ça serait marrant. Mais... Ah non, pardon Brigitte Bardot. Pardon, j'aime bien les animaux, tout ça. Voilà, bon. Question que je me pose, c'est est-ce qu'avec des fluiducts, on peut éventuellement alimenter les moteurs automatiquement en lave? Je pense que oui.
Ok, ils ont déjà consommé le deuxième seau de lave. Ce qui fait qu'ici, ça tourne. Ça tourne même bien. Ça tourne même bien. Du marbre. Ce serait cool, ça. Bon, pour le reste, c'est quand même assez... du sulfure, si... Ouais, bon. Vous avez de l'iron, je crois. Ouais, allez. Bon. Tiens, on mange un petit stack de cobble. Il faudrait que je me fasse un diamond pipe pour le... par contre, ouais, si je le détruis, je suis sûr qu'il va perdre son contenu. Je suis pas sûr, mais je pense. Bon, donc voilà. De toute façon, c'est que de la cobble. Ah oui, est-ce qu'on peut faire, ça Comment on fait du scrap déjà? Avec un recycleur, c'est ça, avec un recycleur. Le recycleur. De la glowstone, du un compresseur, de la dirt, du fer. Salut. Il a Kyle sur la tête! C'est Kyle! C'est quoi ce délire? Ah, référence à House Park. Ah là 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 là. Ah non, c'est n'importe quoi ces chapeaux. Genre il y a une double couche là. Bon, ça va bien. Il y a rien dans la table de craft ici. Ah si. Ouais, bon, pas très, très important tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Parce que c'est bien beau tout ça, mais voilà, donc j'ai des... J'ai mes seaux de lave qui sont en train d'être consommés. Voilà, on va bien voir. Alors, ah oui, j'avais dit qu'il me fallait du bois. Eh merde, j'étais parti pour ça et je suis revenu sans. Bon, je suis revenu avec un petit peu de bouffe, c'est l'avantage. Mais je sens qu'il va falloir que je me refasse une séance de minage. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool par contre. Ouais, bon, bah, toi, dégage, il me faut ça. Non, ça... Ok, combien je peux m'en faire? 11. Eh ben, on a de quoi... Attendez que je dise pas de bêtises. 3. Plus les 3 là. On les a. Il m'en faut... Alors, attendez. Donc... Ah non, 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 attendez. Il m'en faut 9 au sol. 9 au sol et 9 autres. Parce qu'il m'en faut 18. Eh merde, j'en ai pas assez. Je suis en train de compter, mais j'en ai pas assez. Il va refalloir que je retourne encore dans l'océan. Cool ça, mais on va peut-être commencer à se la construire. Est-ce qu'on se la construit à l'extérieur? Ouais, c'est mieux de la faire à l'extérieur quand même. Hop, je prends juste ça. On va se refaire une nouvelle épée quand même. Ah, une épée, une épée, une épée. Non, ça c'est de l'aluminium, ça je vais pas aller loin avec de l'aluminium. Il me reste du groot là. T'as vu moi qu'il me restait du groot. C'est quoi ça? Ça c'est la grey wool, ça m'intéresse pas. Putain, par contre je suis vraiment à la rue au niveau de... Au niveau charbon. Ok, groot.
Bah je viens de le prendre, il est où? Là, non. Bah je suis pas fou, j'ai bien pris du Groot là. Stone, gravel. C'était quoi? C'était une erreur de rendu? C'était quoi? C'est quoi le délire là? D'accord que j'ai bien lu Groot ici. Groot là, voilà, il est là. Ok. Là j'ai des baies. Ok, c'est cool. Et B c'est cool. Oh, blague de naze. L'iron, j'ai besoin. Plastic sheet, non, non. Hop, ça va dans le merdier. Ça j'en ai besoin. Bah en fait non, j'en ai pas besoin, j'ai besoin de ça. Besoin de ça, de la bouffe, ben c'est bon, j'en ai sur moi donc je peux en laisser ici. Ça, ça. La casting table, j'en avoir besoin. Il me faut le faucet aussi. J'ai oublié le faucet. C'est écrit comme ça normalement. Faucet. Ok, c'est 3. Ça j'ai ce qu'il faut. Donc ça, j'ai le faucet. Et je peux même me refaire une charrette de plus. Ok, épée. Depuis le temps que je le dis. Ok, donc ça. C'est bon, ça aussi, ça. Merci. Ok. Donc on va enfin pouvoir commencer la smelterie. Donc c'est un petit peu long, hein. C'est même vachement long. Je pense que vous aurez des épisodes d'une heure, hein, pour ça. Donc on doit être à l'épisode 3 peut-être maintenant. Ouais, certainement. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'en profite de tourner les week-ends hein, pour prendre un petit peu d'avance sur les épisodes. Sinon, je tourne une heure en soirée. On va se mettre là-bas. Ouais, ici, ça me paraît bien. Bon, pas très secure au niveau des mobs, mais ça me paraît bien quand même. Cette météo de merde. Mais... Oh, deviennent chiants les zombies à force. Bon. Ok. Donc, on va dire comme ça. Comme ça. Oh, puis, ouais.
Ouais, puis on va plutôt la diriger dans ce sens-là. Et galère. Et je viens de me planter. Je viens de me planter misérablement. Les trois là viendront là, et ces trois là viendront ici. Ok. Et il me faudra un autre étage, donc il va m'en falloir. Donc là, il va me falloir encore en briques 9 plus 3. Donc putain, je suis juste en dessous d'un. Bon. Ah, il m'en donne que 3 lui. Radin. Allez. J'entends un squelette, mais... Tu coopères. Plus de coopères. Non, non, non! Ouah! Elle a pas plus de toute façon. Ok, tout va bien, c'est hostile là. Bon! Ok, lui, tout va bien. Waouh, bon. Et j'ai oublié de reprendre la bouffe sur moi. Ça aurait été très con que je meurs comme ça. Dans le dos. Et le courage de m'affronter en face. Bon. Et là, je tombe, je meurs. De quoi il est mort? D'une fracture de la cheville. Ouais, enfin, remarque, ça me rappelle une anecdote, ça. Ah, je sais pas si je peux vous en parler, mais... Moi, si, allez, ça va vous faire marrer. Oh, ouais, allez, non, je vais rien dire, mais il y a une, j'ai une anecdote comme ça. Quand j'étais gamin, je me suis cassé la jambe et quelques années plus tard, je me suis rendu compte que parce que j'ai travaillé pour l'hôpital en fait qui m'avait admis quand j'étais gamin, donc un hôpital près de chez moi. Et disons qu'il y a eu une erreur de saisie informatiquement dans mon dossier. Voilà. Bon, je peux pas vous en dire plus, mais voilà. Un truc qui m'a sur le coup m'a pas fait plaisir, mais avec le recul qui m'a bien fait marrer.
C'est officiel, j'ai plus de charbon. Et j'ai plus de bouffe non plus. Elle est passée où ma bouffe? Je suis pas fou, j'avais de la bouffe. J'ai dû encore la déposer dans la coffre. Bah elle est là ma bouffe. Il y a tellement d'items dans l'inventaire que je vois même plus là ce qui est nécessaire à ma survie. Bon de toute façon maintenant tout va se passer là-haut étant donné que j'ai plus de charbon en bas, il faudrait que j'aille reminer pour ça. Mais il pleut tout le temps dans ce putain de monde. Donc résultat, je redescendrai uniquement quand j'aurai besoin de lave. Ce qui est le cas. Et merde. Bon. Bon, pour le moment, je le fais manuellement, la création de charcoal, mais on automatisera ça quand j'aurai les ressources nécessaires. Donc voilà. Un rubber tree. Ça poussera comme ça, comme ça poussera. Désolé, je parle pas trop, mais voilà, rien de bien intéressant, je coupe des feuilles. Je comptais tout vous montrer, mais je me demande en fait si je vais pas faire des coupures quand même. Tout ce qui est craft, ces trucs-là, je vais vous les montrer si vous voulez, mais sinon, voilà, là c'est un passage qui est pas vraiment intéressant. Ok, ça j'arriverai pas à l'avoir. Ça poussera comme ça poussera ça. Je peux peut-être forcer un petit peu quand même. Je vais y arriver. Ok. J'ai l'impression d'en avoir à chaque fois les commandes.
des pousses. Bah pas des pousses mais des du rubber. Allez. Nickel. Ouais, j'ai l'impression que une bûche égale un rubber. Bon. Et la nuit retombe. Bon, ben, encore une journée de merde pour John McClane.